plaisir de faire donc ce tutoriel invité par l'axe MH2TPC du GDR, méthode hybride, méta-heuristique et programmation par contrainte. Donc Christophe est professeur d'informatique à l'IUT de Lens. Il est chercheur au CRIB, au Centre de recherche en informatique de Lens. Il est responsable de différentes actions en intelligence artificielle, programmation par contrainte, données au niveau de l'Université d'Artois et de la région Hauts-de-France. Donc aujourd'hui, c'est un spécialiste de la PPC, des CSP, des librairies Python, ce dont tu nous en parles aujourd'hui, pour la modélisation et la résolution de problèmes combinatoires sous contrainte. Voilà, je laisse la parole. Merci Pierre. Donc, je vais attaquer le tutoriel sur la résolution, la modélisation, résolution de problèmes combinatoires sous contrainte. Effectivement, avec un accent sur une bibliothèque qui s'appelle PCSP3. Excuse-moi, ouais. En fait, tu ne partages pas ton écran. Il faudrait que tu partages l'écran parce que c'est hyper commun. Donc, le plan de la présentation, on va commencer par la partie modélisation. Hein, je ne vais pas détailler le plan, on va voir les choses en cours. On va s'intéresser à la modélisation et résolution de problèmes de second phase. Peut-être un petit mot sur la programmation par contrainte. Pour ceux qui seraient, connaîtraient ça de manière un petit peu détachée. Lorsqu'on parle de CP, constraint de programming, donc on s'intéresse essentiellement aux variables discrètes, même si il y a des travaux sur des CSP continues, avec des variables continues. Mais l'essentiel des travaux sont quand même articulés autour des variables discrètes, qui peuvent être aussi des variables booléennes. Donc là, on va retrouver des cadres qui s'appellent SAT et puis CSP pour des problèmes de nature classique en programmation par contrainte. C'est un cadre qui est assez flexible. Donc ça, c'est un des atouts de la CP. C'est qu'on peut intégrer des contraintes de nature vraiment différente. On a même des modes de représentation qui sont universels. Donc ça, c'est le côté flexible, c'est vraiment un des attraits de l'ACP. Alors, lorsqu'on s'intéresse un peu aux contraintes, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de briques qu'on peut utiliser lorsqu'on modélise. Donc, c'est des types de contraintes. On les appelle en général des contraintes globales. Si jamais vous allez jeter un œil sur le catalogue de contraintes globales qui est développé et maintenu du côté de Nantes, et vous verrez qu'il y a énormément d'entrées, donc ce qui peut avoir un petit côté effrayant. Mais en fait, je ne sais pas si je peux... Je suis obligé de garder le masque, c'est un peu... un peu de mal. Hein. Le côté rassurant, c'est qu'en fait, il y a une vingtaine de contraintes qui sont vraiment essentielles. Et avec ces 20 contraintes, on peut vraiment arriver à modéliser à peu près tout ce qu'on veut pour faire ça un peu rapide. Lorsqu'on parle de CP, on parle de recherche systématique en général, donc de recherche complète à base de parcours arborescents. On a quand même la possibilité de faire des sauts dans l'espace de recherche, alors, notamment avec des redémarrages, des restarts. Et puis, on a aussi des techniques qui sont large neighborhood search qui peuvent être assez utiles. Et puis, voilà. Donc, en résumé, CP, c'est une techno qui est utile, qui est appropriée pour certains types de problèmes, mais au même titre que la programmation mathématique ou que les méta-heuristiques, les méthodes approchées. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est essentiellement ce qui tourne autour de PCSP3. Alors, PCSP3, c'est une bibliothèque qui permet de modéliser
les problèmes. Évidemment, quand vous modélisez, vous séparez les données du modèle. Donc, il faut à un moment donné fournir les données. Donc, ça, on va le faire en JSON. Et puis, on va compiler. Une fois que vous avez un modèle, vous avez un fichier de données, on compile, on obtient une instance particulière qu'on a envie de résoudre. Et ça, on va utiliser un format qu'on a aussi développé qui s'appelle XSP3. Donc, on verra à quoi ça ressemble tout à l'heure, rapidement. L'avantage, c'est que c'est un format qui est assez structuré, donc qui garde la structure des problèmes, des modèles, et donc ce qui peut être un atout pour les solvers. Les solvers, bah, on les fait tourner derrière sur ces instances, donc solver H, Yoko de la communauté, vous avez aussi Oscar, Picasso, etc. Alors, j'attaque sur PCSP3. Actuellement, en ligne, vous avez la version 2.0, on a publié en décembre. Vous avez le code sur GitHub, vous avez un guide qui est quand même assez complet. Je vous présente toutes les contraintes qu'on peut utiliser, comment on peut construire les modèles à partir de ces contraintes. C'est aussi un package PyPy. Il y aura une version 2.1 à venir. Donc, on a envie de pouvoir dialoguer avec le solver. Je vous montrerai qu'on peut déjà le faire, mais on pourra le faire de manière plus fine à l'avenir. Enfin, c'est notre objectif. Puis, il y aura des contraintes qui sont absentes pour l'instant, qui sont bin packing de passe-lance, qui sont des contraintes assez classiques. Et voilà. Donc, PCSP3, l'influence de sa construction, c'est ce qu'on avait fait auparavant avec XSP3, puis c'est aussi Numberjack, qui est une bibliothèque en Python, qui était développée il y a déjà une dizaine d'années. Et donc, c'est un peu une sorte de combinaison des deux, quelque part. Alors, je vais attaquer avec un premier modèle pour illustrer mon propos. Alors, je vais passer la petite fenêtre. Alors, ok. Donc, je vais essayer de vous faire le modèle en live. Si jamais ça ne marche pas, ce n'est pas grave, je vais communiquer quelque part le ressort, parce que c'est un truc à se gueule de faire ça. Je vais le faire directement dans un notebook. Voilà, je pars avec une cellule vide, enfin, presque vide, il y a from PCSP3 import étoile. Donc là, on dit, OK, je vais pouvoir utiliser la librairie. Et puis, je reviens quand même sur le modèle, sur le problème, je n'ai pas dit grand-chose dessus. Vous voyez, c'est un problème académique, on donne un entier N, et puis on veut fabriquer un vecteur, une séquence de valeurs. En fait, cette séquence, c'est une permutation des valeurs de 0 à N-1. Et puis ensuite, quand on s'intéresse à ce vecteur, on regarde la distance entre deux valeurs successives, et puis ça forme un nouveau vecteur avec des valeurs toutes différentes. Donc, vous avez une solution en vert, je ne sais pas si vous la voyez bien. Ça, c'est pour n égale 8, puisque là, vous voyez, vous avez une permutation, toutes les valeurs présentes entre 0 et 7. Donc ça, c'est bon, on a bien respecté la première condition. Puis la deuxième condition, j'ai la distance entre 1 et 7 qui est 6, la distance entre 7 et 0 qui est 7, la distance entre 0 et 5 qui est 5, entre 5 et 4 et 1, etc. Et vous voyez, vous avez toutes les valeurs entre 1 et 7. Donc, on a bien respecté aussi la deuxième condition. Donc, on se dit, c'est sympa, j'ai envie de modéliser. Eh bien, on y va. Je vais mettre en dur la valeur, l'ordre du problème. Sur la solution qui était présentée, c'est n égale 8. Voilà. Peu importe, hein, je vais mettre par exemple n égale 5. Et puis, je dois fabriquer un vecteur. Donc, le vecteur, ce sont mes inconnus, mes variables. Donc, je vais construire un tableau de variables. C'est la fonction varoray qui permet de faire ça, avec des paramètres nommés. C'est quoi la taille du tableau? Est-ce que c'est un tableau une dimension, deux dimensions, trois dimensions, ce qu'on veut? Donc, ici, c'est qu'une dimension et la taille, c'est n. Et puis, pour finir,
je dois définir le domaine des variables. Et là, je dis, bah, en fait, c'est le range de n, c'est-à-dire les valeurs entre 0 et moins 1 et q. C'est exactement ce que je souhaite. Alors, si jamais je voulais des variables de domaines différents, je pourrais tout à fait le faire. Je peux passer une fonction paramétrée avec l'indice de la variable et dire, ah, pour cette variable-là, le domaine, ça sera ça. Donc, on peut même faire des trous dans le tableau en disant, là, la case ne m'intéresse pas, je mets none. Faut pas considérer que c'est une vraie variable. J'ai mes variables, j'ai posé les contraintes. Donc, première contrainte, je veux une permutation, bah c'est une hold différente en fait. Donc là, c'est tranquille, hold différente de x, hop, ça c'est réglé. Et puis, j'ai la deuxième condition maintenant, bah, je veux que les distances entre deux valeurs successives soient toutes différentes. Oh, bah, je vais reposter un hold différente et puis je vais dire bah, hold différente d'un ensemble d'expressions qui sont les distances successives. Et puis, je vais varier i de 1 de 0 à n moins 1. Alors, c'est là où je vais le planter, je vais mettre les parenthèses, il ne faut pas. Mais... Bon, ça a l'air bon. Mais... On va voir si c'est bon. En tout cas, c'est ma deuxième contrainte, le deuxième hold if. Bah, je vais exécuter la cellule sur le notebook. Et ça a marché. Miracle. Donc là, il me dit bon, ok, j'exécute, j'ai exécuté, il me fait une sortie parce qu'en fait, le satisfy, je dois satisfaire des contraintes, c'est normal. On est en train d'écrire un CSP, donc un problème de satisfaction de contraintes, et donc deux contraintes à satisfaire. Alors je peux poster, appeler satisfy plusieurs fois si je veux, hein, je suis pas obligé de mettre tout dans un même satisfy. Et puis, le bout, c'est bon, voilà les contraintes qui viennent d'être postées. Donc, c'est une représentation interne. En tout cas, on voit que ça ressemble bien à ce qu'on a envie de faire. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, là, je dis, bah, c'est bien, j'ai mon modèle, mais bon, il faudrait peut-être le résoudre. Ça serait encore mieux. Bah, on va le faire. Alors, je vais aller dans la deuxième cellule. Et donc, je vais dire, bah, j'ai appelé solve, en fait, tout simplement. Par défaut, il y a un solver sous-jacent. On peut le paramétrer. Là, c'est Ace qui est derrière, le solver maison, mais on peut choisir Choco. Pour l'instant, on a Ace et Choco qui tournent derrière. Je peux mettre des paramètres, hein, solve, hein, on va voir un petit peu. Et donc, il exécute et puis il me dit SAT. Ah oui, d'accord, c'est SAT. Bon, je n'ai pas vu la solution, je suis un peu déçu. Mais ce n'est pas grave. Donc, je dis, bah, si c'est ça, ce serait bien d'afficher la solution. Donc là, je vais faire un print tout simplement et je vais dire, au fait, je voudrais les valeurs assignées aux variables, évidemment. Donc là, j'ai values de x qui me permet de faire ça. Je peux appeler values avec n'importe quelle séquence de variables, il ira me les chercher, ou value au singulier avec une seule variable. Et donc, il me réexécute et il me sort la solution. Donc là, il me dit, OK, voilà une solution pour le problème de all interval series d'ordre 5. Alors, je dis, ah, bah, tiens, est-ce que je peux jouer un petit peu avec le solver? Est-ce que je peux rajouter une contrainte, etc. Bon, on va essayer de faire ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une première fois le solver. Et puis, je vais dire, tiens, puis au final, j'ai envie de rajouter une contrainte à la volée. La première variable, j'ai envie qu'elle soit supérieure à 2. Puis au final, j'aimerais bien avoir toutes les solutions dans ce cas-là. Donc là, je peux rajouter un satisfy. Donc là, je dis, arbitrairement, j'ai une valeur plus grande que 1 pour la première variable. Et puis, je relance le solver.
Alors là, j'ai mis un paramètre nommé solve pour dire égal avec la valeur all pour dire bon, je veux toutes les valeurs. Hein. Je peux faire solve égale 5 par exemple aussi, hein, si je veux. Et je vais récupérer le nombre de solutions. J'ai une fonction nSolutions qui me permet de récupérer ça. Donc là, je peux faire une boucle for i de 1 nSolutions, print les valeurs de la solution, la valeur des variables pour la ième solution. Donc là, je vais utiliser à nouveau des paramètres nommés. Donc là, normalement, si je ne me suis pas planté. Ah, si, je me suis planté. 0 is undefined. J'ai mis un O peut-être, hein, je ne sais pas. Ouais, ça ressemble à O en fait. Voilà. Donc là, c'est mieux. Et donc, j'ai le premier print. Et puis après, les autres solutions qui restent, je peux les compter. Il y en a 5. Et donc, ça a fonctionné. Donc, je peux m'amuser à faire ça. Je peux décider de dire ben non, mais la dernière contrainte, j'en veux plus. Donc, on va appeler une fonction qui s'appelle unpost, qui permet de faire ça, unpost de moins 1, la dernière. Ou alors, on peut faire des choses comme ça. Je vous montrerai très rapidement un notebook, on voit un peu des petites choses autour de ça. Et donc, je vais reprendre les diapositives. Ce qu'on vient de taper, c'est. C'est ceci, le modèle qui est là sur la diapo. On l'a fait dans un notebook, mais bon, on peut aussi travailler dans un terminal. Donc là, on exécute Python sur le fichier qu'on a nommé, évidemment, l'intervalle.py, le fichier Python. Vous voyez la différence ici, c'est que je n'ai pas mis n égale 5, sinon ce n'est pas très intéressant. Donc je dis les données, il faudrait peut-être les fournir quelque part de manière externe. Et ça, on peut le faire avec le tiret data sur la ligne de commande. On peut mettre une valeur directement si c'est effectivement un problème académique, on a juste besoin d'un entier, c'est tranquille. Si vous avez des données structurelles, vous mettez un fichier JSON et puis vous faites le tiret data également du fichier JSON. Et donc, vous voyez la commande. Le nom, tiret data égale 5, et puis qu'est-ce que ça fait? Alors ça ne fait pas la résolution, là, quand vous faites ça, vous obtenez le fichier XSP. Donc, et là, après, vous lancez le solver sur le fichier XSP. Mais vous pouvez aussi dire, oh, mais non, je compile et puis j'envoie direct, je résume directement. Donc là, vous faites tiret solve, et par défaut, il va résoudre également en ligne de commande. Alors, par contre, je pense que le temps passe quand même déjà. Donc, je vais peut-être aller plus vite sur le deuxième exemple là, avec Warousse, le cliché de problème. Alors, je voulais le faire pareil, le taper, mais je pense que ça va être un peu trop long. Donc, ça, c'est un problème classique. Dire, ah oui, ben justement, j'ai envie de voir un peu avec des données structurées, comment ça marche. Donc là, on a des données en disant, il faut que j'associe un entrepôt à des magasins. Je vais devoir ouvrir des entrepôts. Fournir un magasin à tel entrepôt, ça me coûte temps. Chaque fois que j'ouvre un entrepôt, ça me coûte temps. Essayons d'optimiser ça. Donc, vous voyez les datas, j'ai un coût fixe par ouverture d'entrepôt. J'ai la capacité des entrepôts. Donc là, il y a 5 entrepôts, hein, vu la structure des données. Le premier entrepôt, la capacité de 1, le second de 4. Et puis ensuite, vous avez les coûts de fourniture des magasins en fonction des entrepôts. Il y a 10 magasins à fournir et à chaque fois, je sais combien ça coûte. Alors bon, là, je ne vais pas le taper, hein, mais même si je... parce que ce sera un peu long. Mais ce que je voulais vous montrer là, sur ce deuxième exemple, c'est que les datas, ben, en fait, on s'en débarrasse en ligne. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer à m'amuser à parser des trucs et des bazars où à chaque fois, on perd 10 minutes, un quart d'heure. Là, si vous avez les data en JSON, vous savez que votre JSON, c'est un objet avec 3 champs. Bah, vous utilisez le tuple unpacking de Python, cost, capacities, et puis donc, au singulier, et puis cost au pluriel, égale data. Et automatiquement, le fichier JSON est chargé. On va lancer la ligne de commande. Et puis, je récupère les data, je n'ai rien à faire en fait. Donc là, en ligne, on a réglé le problème des datas.
Et puis ensuite, sur cet exemple, bon, bah, je dois satisfaire hein, les capacités max de, d'entrepôt. Donc là, je vais compter dans le tableau W. Alors W, c'est son mes variables. Quel est l'entrepôt pour l'IL magasin W de I. Et là, je dis, bah, quand je compte dans W le nombre de fois où je rencontre la valeur J, bah, je ne veux pas que ça dépasse la capacité de l'entrepôt J. Donc, inférieur ou égal à capacities de J. Et ça, pour tous les entrepôts. Et puis, ensuite, je dois optimiser. Bah, pour optimiser, j'ai un coût fixe. Et le coût fixe, c'est... je vais l'appeler cost, tout simplement, ici, pour s'ennuyer. Donc, je fais cost et fois le nombre d'entrepôts ouverts. Et comment je sais ça? Bah, je vais utiliser une contrainte qui est nValues, le nombre de valeurs distinctes dans un tableau de variables. Donc, nValues de W, c'est le nombre de valeurs distinctes, c'est donc le nombre d'entrepôts ouverts. Parce que si j'ai décidé de choisir l'entrepôt 1, puis le 3, puis à nouveau le 1, puis le 2, le nombre de valeurs distinctes, c'est 3, c'est le nombre de l'entrepôt que j'ai décidé d'ouvrir. Donc là, on fait nValues fois cost, c'est la fin de l'expression. Et puis ensuite, il y a les coûts, le coût de fourniture des magasins. Et là, donc, je vais faire une somme, je vais dire, pour chaque magasin, pour chaque store, ça va me coûter autant. Combien ça va me coûter? Ben, j'ai les data qui vont me le dire. Cost de I, c'est le coût pour le IL magasin, mais je ne sais pas encore quel entrepôt choisir pour mon magasin. En fait, c'est ma variable qui me dit. Donc là, c'est le deuxième indice, W de I. Cost de I, W de I. C'est à l'arrivée, lorsque j'ai assigné W de I, je dis, ah oui, c'est vrai que ça va être la colonne à choisir pour aller chercher le coût. Et ça, c'est une variable qui sert d'indice, c'est ça, la contrainte element, en programmation par contrainte. Et ce qui est assez élégant, parce qu'on a une expression qui est assez naturelle, mais qui est indicée par des variables. Alors, je n'ai pas mis la ligne de commande, mais donc la ligne de commande, Python, le nom du fichier, warehouse.py, tirer data, égal, et puis le fichier du seul. Alors, j'avais envie de vous montrer deux types de contraintes qui sont vraiment, moi je trouve, élémentes, qui sont très révélatrices, enfin, qui sont vraiment au cœur de la programmation par contrainte, on les utilise assez souvent. Et puis, il y a ce côté expression, représentation universelle. Donc, j'ai utilisé le problème de construction championnat sportif. Bon, je ne veux pas trop détailler, hein, on crée un championnat, les équipes doivent se rencontrer. Or là, c'est la version traveling, c'est-à-dire que les équipes circulent. Je pense que c'est la ligue de basket aux États-Unis qui fait ça, qui utilise ce principe-là. Et puis, on dit, OK, tout le monde va rencontrer tout le monde. Mais moi, quand je voyage avec mon équipe, je ne vais pas voyager, je vais pas aller faire deux matchs, plus de deux matchs successifs à l'extérieur. Après, je reviens à la maison. Donc ça, c'est un type de contrainte. Et puis, donc c'est la diapo d'après. Et du coup, on dit, bon, d'accord, on va voyager, on va respecter cette contrainte, mais on va peut-être éviter de faire trop de déplacements. Donc, on va minimiser la distance parcourue. Donc, on a une matrice avec des distances. Et puis, on va vouloir fabriquer le planning de chaque équipe. Par exemple, on voit Paris qui joue à domicile, puis ensuite qui va à Marseille, qui va à Nice et puis qui rentre à la maison. Là, ça fait 231 km. Alors, et puis à la fin, bon, voilà, je pense que j'ai dit ce qui nous a intéressé. Alors, on commence par des variables. On dit, bon, bah, il va falloir que je décide d'un certain nombre de choses. Pour l'équipe I, au tour K, c'est qui l'opposant? Bon. Donc là, c'est le tableau O. Le tableau à deux dimensions, donc on utilise toujours le paramètre nommé size, nTeams et puis nRounds. Bon, le domaine, c'est les autres équipes. On a est-ce que je joue chez moi ou à l'extérieur? H, donc H pour homme. Si c'est 1, ben, je joue chez moi. Donc là, c'est de variable 0 à 1. La distance parcourue, c'était le tableau T. Et puis à la fin, donc à plein, il y a des contraintes à placer. Mais à la fin, je voudrais minimiser la somme parcourue. Donc, la somme des valeurs qu'il y a dans T. Si dans T, j'ai mis les distances parcourues par chaque équipe, à chaque tour, c'est bon.
Et du coup, il y a la première condition, hein, je ne fais pas toutes les contraintes ici, j'en ai pris deux que je vais illustrer. La première, c'est une contrainte régulière, en disant, l'équipe ne peut pas faire plus de matchs successifs à l'extérieur, en fait, je vais faire un automate, ça va très bien. Je pars de l'état de chute, et puis, s'ils jouent à la maison avec valeur 1, j'atteins l'état Q1. Et puis, si je joue à nouveau à la maison, j'atteins l'état Q2. Par contre, là, je ne peux plus jouer à la maison. Je joue à l'extérieur, donc 0. Et puis, voilà, je circule dans l'automate. Et puis, si je respecte toujours les transitions qu'il y a dans cet automate, c'est bon. C'est-à-dire, quand je vais regarder le tableau H de I, je m'intéresse à l'équipe I. Le tableau H, c'est est-ce que je joue à chaque tour chez moi ou à l'extérieur, enfin pour l'équipe I. Je regarde la séquence de valeurs, c'est une séquence de 0 et 20. Il faut que ça soit un mot reconnu par l'automate. Donc là, on se dit, ah bah, oui, sur le papier, c'est très bien, mais comment on le code? Bah, en fait, on code comme sur le papier, puisque vous avez trois lignes hein, qui permettent de définir l'automate. Donc on se définit des noms d'état pour commencer. Ensuite, on définit les transitions, c'est les triplés. Quand je suis en Q, que je lis 0, je vais en Q01, etc. Et puis pour finir, je fabrique un objet automaton. J'indique les transitions, l'état de départ, les états finaux. Et puis une fois que j'ai mon automate, je peux poser une contrainte. Et je la poste simplement en écrivant H de I in A. A, c'est le nom que j'ai donné à mon automate. Et je fais ça pour tous les I. Et c'est bon, c'est réglé. Désolé pour les petits parasites. Donc la contrainte régulière, c'est élégant, ça marche bien, c'est expressif. Et il y a aussi la contrainte table qui est intéressante. La contrainte table, c'est j'énumère tout ce qui est possible en fait, ou tout ce qui est interdit pour une séquence de variables. Donc ça, c'est vraiment universel. En théorie, vous pouvez reprendre n'importe quelle contrainte, vous la représentez comme ça. Ça marche, sauf que l'espace, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, un petit problème éventuellement spatial. Alors, on peut compresser un peu les choses. Par exemple, avec un symbole joker, étoile. Et c'est celui que j'ai utilisé ici. En disant, je vais calculer la distance parcourue par l'équipe I entre le tour K et le tour K plus 1. Et donc là, pour le calculer, je vais avoir besoin des deux variables H, I, donc H, I, K, H, I, K plus 1. Où est-ce que je joue l'équipe I au tour K et au tour K plus 1? Et quel est l'opposant au tour K et au tour K plus 1? Donc là, je vais aller chercher les variables O, l'opposant, O, I, K, O, I, K plus 1. Et puis quand j'ai décidé que ces quatre informations, je dis, je peux calculer la distance. Que j'ai toutes les informations. Et donc là, j'ai ma variable TIK qui va me dire voilà ce qu'il faudra parcourir entre le tour K et K plus 1 pour l'équipe I. Donc ça, c'est ce que vous voyez dans le Satisfy. Le tuple de variables, c'est un tuple de 5 variables. Et ça, je vais dire il faut que ça respecte les conditions, les informations, les données que j'ai. Et je mets ça dans une table. Et la table, elle est définie par la fonction que vous voyez, en disant si je joue deux fois chez moi, 1-1, les deux valeurs 1-1, quel que soit l'opposant, ni, donc étoile, je ne voyage pas, 0. Bon. C'est le premier tube que vous voyez. Et puis ensuite, vous raisonnez en fonction des équipes, où vous étiez, etc. Et normalement, quand on lit la table, on comprend assez rapidement oui, comment c'est structuré. Et ça, voilà, ça marche. Le contrainte table, c'est un outil qui est vraiment intéressant et qui parfois permet de sortir de situations complexes de modélisation. Alors, j'ai passé Cardinality. Cardinality, je veux que chaque équipe rencontre chaque autre équipe exactement deux fois, parce que c'est un round robin ici, là, enfin, un double. Donc, je vais passer plutôt à ça et puis je ferai un saut ensuite. Donc là, je vais aller un peu plus vite. Parce que là, pourquoi je vous présente PCSP3 ici, aujourd'hui.
Parce que c'est un outil qui est appréciable pour faire un enseignement, enfin, quand on le considère, après c'est à vous de juger évidemment. Disons qu'on a des notebooks sur les. Je vous ai parlé d'une vingtaine de contraintes qui sont vraiment essentielles, avec lesquelles on peut faire vraiment déjà beaucoup de choses. Il y a des variantes de ces contraintes, évidemment, des paramètres à chaque fois qu'on peut, avec lesquels on peut jouer. Et là, vous avez des notebooks. Alors, je ne vais pas vous dérouler les notebooks. Mais je vous montre juste à quoi ça ressemble. La contrainte element, par exemple, vous dites, comment. Donc là, vous avez quelqu'un qui découvre la formation par contrainte. Vous lui parlez de la contrainte element. Et là, ça, bon, on pense qu'il a compris. Puis après, à l'arrivée, on dit, il a peut-être compris, mais après, l'utiliser sans ça, autre chose. C'est souvent ce gap-là qui est difficile à franchir. Et donc, avec un notebook, on peut prendre des contraintes individuellement et puis comprendre la sémantique, parce qu'on va pouvoir poser la contrainte, une contrainte unique, calculer toutes les solutions, et puis on voit la sémantique, en fait. Les solutions, c'est la sémantique de la contrainte. Et donc ça, c'est pas mal, parce que on comprend ce que c'est la contrainte, et puis on peut comprendre les différentes variantes aussi. Alors, je grossis un peu. Je n'ai pas de pratique au micro. Donc, je grossis un peu. Et vous voyez, ça ressemble à ça. Généralement, on poste les variables pour commencer, évidemment. Et puis, on fait un satisfy avec une seule contrainte. Et puis, on lance le solver. On dit, ah oui, d'accord, voilà, a priori, une solution de mon problème. En fait, c'est une solution de ma contrainte. Hein. C'est ce qui est un tuple accepté par une contrainte. Et puis, on se dit, tiens, si j'ai bien compris, je peux compter le nombre de solutions. Et sur, dans certains cas, on peut dire, normalement, je vais trouver autant de solutions. Et puis, on peut vérifier que ça marche. Donc là, c'est le cas. L'exemple, c'est 324, pardon. Donc, vous avez des différentes variantes en fonction que l'indice, la valeur de la contrainte element, c'est une variable, une valeur, etc. Donc, j'en dis pas plus. Ensuite, c'est les modèles. C'est-à-dire que généralement, c'est ce qu'on fait en cours. On dit, quand vous avez des étudiants, vous leur dites, on va regarder un peu comment on modélise ce problème-là, le problème de scheduling ou autre. Et puis, on déroule, on explique un peu, puis c'est très bien. Mais c'est encore mieux avec un notebook, parce que là, on va pouvoir y aller par morceaux, on va pouvoir exécuter. On va pouvoir dire, tiens, voilà ce que j'obtiens comme solution après avoir posté juste ces contraintes. Et je dis, ah oui, ça a l'air de marcher. Ah, par contre, il manque encore ça. Ah, ben, on va la rajouter. Et puis, on fait comme ça progressivement. Et puis, les étudiants, ils peuvent être relativement autonomes à l'arrivée parce que vous leur dites, vous faites d'abord une présentation un peu générale, vous leur expliquez deux, trois modèles comme ça. Et puis ensuite, vous pouvez faire une séance en disant, allez, regardez les notebooks. Moi, je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Voilà, ça, c'est... Ça peut être un outil intéressant. Donc là, tout ce que vous voyez, là, c'est des notebooks. Chaque fois, il y a un notebook derrière. Donc, ça permet déjà de faire pas mal de choses avec, évidemment, des contraintes qui sont toujours différentes. Alors, on peut aussi piloter le solver. On l'a vu rapidement. Oui, tout à l'heure, quand on disait, je vais calculer toutes les solutions, j'affiche les solutions, je rajoute une contrainte, j'enlève une contrainte, etc. Donc ça, on peut le faire. Pas trop le temps de vous montrer le notebook, mais de toute façon, vous avez le site, vous pouvez jeter un œil. Je vais passer cette section, sinon je n'aurai pas le temps de vous parler de résolution. Donc, je vais vous parler un peu très rapidement de résolution et ce qui marche moins bien. Et puis, en particulier, ce qui marche plutôt pas mal, c'est la base d'approche hybride. Donc là, très rapidement, il y a déjà un certain temps, là, c'est en 2005, c'était Comet, c'est un langage qui permettait d'utiliser les contraintes pour décrire les modèles et puis contrôler la recherche locale. Donc le voisinage, on va dire, en gros, il était contrôlé par les contraintes, puis on passait comme ça de solution partielle à solution partielle. Et c'est un langage qui marchait plutôt bien, mais a priori il n'est plus maintenu aujourd'hui. Mais c'est assez,
C'est assez épatant parce que les résultats, ils sont bons. On peut combiner évidemment avec la programmation mathématique. Alors, j'ai mis MP, mais je ne suis pas sûr qu'on ça se dise. Les chroniques, il faut utiliser. Mais c'est Mathematical Programming. Donc là, le bouquin de John Hooker, il est vraiment bien. Où il parle des deux univers, hein, contraintes, programmation mathématique, et notamment branche, infère, relax. Branche, comment j'explore l'espace de recherche. Infère, comment je peux filtrer l'espace de recherche, propager avec les contraintes, relax, comment je peux faire relaxation linéaire sur linéarisation des contraintes. Et donc, ça, c'est le bouquin que je n'ai jamais fini. À chaque fois que je prends un chapitre, je dis, ah, c'est super, etc. Puis après, je dois faire autre chose et j'ai oublié de m'arrêter. Et encore coder, c'est encore pire, parce qu'on se dit, ah oui, il faudrait que je code ce truc. C'est juste pas possible. Et puis, il y a SAT. Donc là, SAT, c'est... on va essayer d'expliquer pourquoi il y a un conflit. C'est même plus que ça. C'est à chaque fois que je supprime une valeur, grâce à une contrainte, j'essaie d'expliquer pourquoi j'ai supprimé cette valeur. Et donc, je vais le faire en essayant de construire une clause. Et puis, du coup, si j'ai une clause, en fait, je vais avoir une formule SAT, et je vais avoir un solver SAT, qui va pouvoir faire de l'analyse de conflit et qui va pouvoir me déduire de nouvelles clauses, etc. Donc ça, c'est le LCG, Lazy Clause Generation. Ça marche bien. Ça marche bien et ça marche tellement bien tous ces trucs qu'on les retrouve de manière un peu intégrée dans différents outils. Alors, il y a WearTools, notamment là aujourd'hui, ils ont vraiment des résultats qui dépotent. Et le solver, le deuxième item, CPSAT, en fait, c'est CPSAT LP. Si vous allez voir la présentation de Laurent Perron, en gros, il dit j'ai un problème, je traduis une partie en SAT, et puis quand je résous, puis j'ai une linéarisation aussi, et puis quand je résous, il y a un tiers qui tourne dans le moteur en CP, un tiers dans le moteur SAT, et puis un tiers pour la relaxation. Donc ça, c'est assez, assez puissant. Et puis si j'ai encore 5 minutes, eh bien, je termine avec la section e-search dead, parce qu'en fait, là, quand Lazy Clause Generation est apparu, ça a été dire, Peter Stuckey, qui aime bien provoquer, a dit, bon, la recherche est finie, search is dead, c'est-à-dire le branchement, le raisonnement, le filtrage, c'est un peu pas dépassé, mais pas loin, donc il faut faire de l'apprentissage. Et donc, je pose la question, est-ce que c'est vraiment vrai? Parce qu'en fait, tout autour de la search, donc moi j'entends le branchement, l'exploration, comment j'explore, et puis comment je filtre, il y a quand même des choses, et il y a encore des choses qui marchent très bien. Bon, il y a le restart, redémarrer, alors ça c'est vraiment mon primordial. Vous avez heuristique générique DOM sur WDUG, généralement c'est ce qui marche le mieux. Vous avez le good recording de restart, c'est un apprentissage léger, mais ça fait pas de mal. Solution selling, j'ai surtout insisté là-dessus. Ça, c'est un papier de la JFPC, francophone, de 2017, inspiré par des travaux en SAT, hein, ce truc-là, ça dépote. Donc, je vais vous montrer. Encore une ou deux autres choses. Alors, je vais juste vous le montrer sur l'exécution de notre solver ACE en Java, disponible sur GitHub, avec une instance de VRP de la compétition XSP3. Voilà. Là, j'ai retrouvé l'onglet. Donc là, je vais tourner le solver ACE sur l'instance VRP, je ne sais plus quoi, qui était utilisée dans la compète 2019. Et là, j'utilise du solution selling. Solution selling, c'est quand j'ai trouvé une solution, je l'enregistre. Et puis, lorsque je vais continuer à explorer l'arbre de recherche, après avoir choisi une variable, je vais choisir la valeur de la dernière solution trouvée, si elle est encore présente. Bon, c'est un truc basique, sans doute en héros, vous utilisez des choses comme ça. Ça fait penser à LNS. D'ailleurs, il y a une connexion très forte avec LNS. Or, l'avantage, c'est qu'on a zéro paramètre à régler. C'est fait automatiquement.
Et donc là, ça marche vraiment très, très, très bien. C'est-à-dire que je prends les benches compète mini-zinc, compète XSP. C'est vraiment jouer à la nuit avec ou sans solution saving. Donc là, j'arrête, hein, je suis à 775. Et puis, je dis, je vais lancer le solver sans solution saving. Donc là, il est parti et il va rester scotché, en fait. Et donc, et ça, on peut le constater vraiment très, très souvent. C'est très, très marquant, en fait. Donc, j'ai arrêté l'exécution. Et donc, je vais effectivement conclure. Donc là, on a les mêmes types de résultats sur des benches mini-zinc. Et donc, pour conclure, PCSP3, on considère que c'est un outil qui est intéressant pour découvrir le monde de contraintes, pour faire de l'enseignement, mais pas seulement. L'intérêt, c'est qu'on a déjà une compilation qui préserve la structure, j'en ai parlé. Donc, moi, je dis que c'est la compilation Wi-Fi, haute fidélité. Gérer les données, tout ça est réglé. Chez Crimini, c'est terminé. Pas besoin de parser. Si on a fait des trucs propres, on JSON. Super. On s'intéresse, alors je ne vais pas insister là-dessus, mais on sépare bien la modélisation de la résolution. Quand j'écris modèle, je suis en train de dire j'ai commencé à faire silenceur, j'ai propagé comme ci. Non, le solver, il doit être assez robuste pour se débrouiller. C'est notre point de vue. Et puis, on a deux solvers embarqués. On peut faire de l'incremental solving. Et donc, je pense qu'on a encore des progrès possibles en pur CP. Autour de vraiment le cœur des travaux en CP. La search, elle n'est peut-être pas si morte que ça, parce que solution saving, moi, je considère que c'est du côté search, la façon de guider la recherche. Par contre, bon, c'est vraiment pertinent d'essayer de combiner les techniques, hein, les approches, évidemment. Mais comment on le fait ? Est-ce qu'on fait de la juxtaposition d'approches ? Donc là, on peut dire, si on regarde AirTools, il y a le moteur LP, il y a le moteur SAT, il y a le moteur CP. Alors, c'est super, hein. Mais nous, les académiques, est-ce qu'on peut rentrer dans cette compétition ? Je n'ai pas l'impression, parce que là, il va falloir maîtriser, il va falloir développer tout ça. Ça me paraît compliqué. Peut-être qu'il faut essayer de transférer les techniques, les méthodes hybrides, mais on essaie de transférer quelque chose qui marche bien d'un côté à l'autre. C'est peut-être plus raisonnable d'un point de vue recherche académique. Merci. Alors, on a un petit peu de retard, mais pas tant que ça, parce qu'on a commencé 5 minutes en retard, donc je vais prendre peut-être 2-3 questions. Quand tu parles fort, on n'a pas de micro. Moi, plus j'ai. Alors, moi, de mon côté, c'est volontaire. C'est-à-dire que ça m'a toujours embarrassé. Tiens, voilà un modèle ci. Puis là, en plein milieu du modèle, on voit apparaître, voilà comment on va explorer. Voilà comment on va propager. Alors, ça peut être des annotations. Hein. Donc, ça peut être des annotations. Pourquoi pas, ça, c'est light. Mais moi, je constate qu'à chaque fois qu'on dit, oui, c'est super important de programmer la search, la façon dont on va vraiment assigner variable. Je prends les benches, je lance le solver avec heuristique générique, ça marche mieux. Donc, moi, je veux bien perdre du temps à coder des trucs, mais en fait, j'ai envie de faire autre chose. C'est un peu provocateur en maratine. Quelqu'un d'autre ? Non, je ne crois pas. Donc, merci encore. Tout ça.